Salut, salut! Yo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une petite dégustation avec Georges. Donc, j'ai trouvé, parce que ça fait longtemps qu'il me réclame, et Riley, pardon, qu'il me réclame une nouvelle dégustation. On avait fait American Shop Asian, c'est ça qu'on avait fait, ou American, je ne sais plus. J'essaie de vous la retrouver et de vous la mettre en barre d'infos. Et là, j'ai été chez Cora et dans le rayon, elle me pousse quoi. Dans le rayon pays étrangers, voyage du monde et tout ça, j'ai trouvé les Pocky, la marque Glico. Et il y a plein de. Oh, arrête! Elle me lèche maintenant, mais c'est pas vrai. Il y a plein de parfums différents, donc c'est comme les Mikado. Vous n'allez pas voir, ça fait pas le focus parce qu'il y a Georges qui gêne. Voilà. C'est comme des Mikado, mais avec. Ici, on a chocolat amande, thé matcha, milky matcha, nutty almond flavor. Ça a l'air d'être du beurre de cacahuète. Là. Mangue. Oh. Ouais, il y a deux sortes qui sont soit aux fruits, comme ça, ils sont plus petits. Et banane. Banane, ça doit être trop bon. Chocolat classique. Berry, blueberry yogurt. Ça doit pas être dégueu non plus. Cookie and cream. Donc c'est Oreo. Ça, je suis pas fan non plus. Et. Voilà. Tu choisis ou on prend au pif ou tu prends au pif? Bon, on prend l'ordre. Alors on commence par les plus classiques et on termine par les moins classiques. Ouais. Alors attendez, on va commencer par le chocolat classique. Logique. C'est chinois puisque c'est écrit en chinois, enfin chinois, japonais, c'est asiatique quoi. Il y a un truc exprès pour l'ouvrir et je vais ouvrir ça comme une grosse cochonne. Ils sont emballés dans un petit. Il n'y a pas de barquette en plastique, c'est un petit papier en plastique. Riley! Et j'arrive pas à l'ouvrir. Okay. Bon, bien sûr, moi je garde ceux que je préfère et lui aura ceux que j'aime pas. Comme d'hab. Et c'est parti. Bien conscient. Chocolat noir. Bah tu pourras les prendre. Bah, de toute façon, je vais pas me gêner. J'aime pas C'est le moi qui ai chocolat payé. noir. Parce que c'est quand même presque trop. C'était 3 euros la boîte en moyenne, hein, on va dire. Hein, 2,99 €. 2,69 € et un peu plus cher ceci. Hein. Bon. C'est au chocolat, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Ouais. Toi qu'on n'aura pas. C'est du chocolat, tu ne peux pas en avoir. Donc on va passer à celui aux amandes. Puisqu'on reste dans le plus logique. Le chocolat est bon. Hein. C'est du chocolat noir, du coup moi j'aime pas trop. Ah ouais, j'aime bien. Par rapport au Mikado, je ne sais plus parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé des Mikado. Elle est surexcitée. C'est encore du chocolat noir? Ouais. C'est bien que je vais tous les avoir comme ça. Les mangues, il faudra que tu les manges. On sent bien l'amande. C'est fort parfumé en amande. On sent plus l'amande que le chocolat même. Tu sens même pas le choco. Ouais. Ils sont bons aussi. Moi j'aime un peu moins l'amande, mais ça se mange. Hein. Ça se mange même bien, bien. C'est bien croustillant. Boire un petit coup de café pour me rincer la bouche. J'ai déjà peur de tomber sur les mangues. J'aime pas la mangue. Mais... Ah, vous la voyez pas. Voilà. Regarde. Mais...
Ah là là, je vous jure, on sait rien faire sans avoir dans les pieds. Et en plus, elle me pousse, elle me lèche, elle me griffe. Elle a envie de jouer maintenant. Ah, ah, elle dormait il y a 2 secondes. Il y a 2 secondes, elle dormait. Donc, on va goûter les Nutty Almond. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est du beurre de cacahuète. Ici, c'est bizarre. Puisque pour moi, c'est cacahuète amande. Pour moi, c'est du beurre de cacahuète et amande. Je ne sais point. Je n'ai pas tout compris. Ah, c'est écrit en français. Ah oui, mais c'est juste les ingrédients. Ils ne donnent pas la flavor. La flavor en franquais. C'est une bonne source de fibres que j'ai marqué sur celui-ci. Ah bah ben, sur le premier aussi. Elle me désespère cette chaîne. Dis, tu fous rien toi, à part je te parle, je te passe les baguettes et tu les manges. Moi je m'occupe du chien. Ah, à mon avis c'est beurre de cacahuète quand même. Oh oui. Beurre de cacahuète. Clairement. Alors ça sent mais tu le sens presque pas. Ouais. C'est discret. Moi aussi, tu le sens bien quand même. Non, non. Moi aussi. Quand tu avales après, tu le sens bien. Ah ouais. Ah si, si. Non, moi je trouve pas. Bah t'en as peut-être eu un qui avait moins de goût, mais moi je le sens bien. Moi je suis pas fan. Bon, après je suis pas fan du beurre de cacahuète déjà de base. Tu pourrais te calmer. T'aimes bien toi? Ouais, ça va. Bon, moi je te le mangerai. Faudra faire goûter à papa quand même. Alors, aidez-moi. On va passer au Oreo, enfin cookie and cream. Alors pareil, je suis pas fan des Oreos, enfin j'aime pas les Oreos d'ailleurs, tout simplement. Même. Elle me pousse, c'est affreux. Donc, faites quelque chose avec celle-là dans les pieds. Oh, ils sont beaux. Vous voyez, hein, les couleurs, moi je fais pas ça genre. Ça sent fort la vanille, je trouve. Je sais pas, moi je peux pas. Oui. Ça sent fort la vanille, hein. Ça sent la vanille. Ouais, ça a clairement le goût d'Oreo. Ouais. Moi je suis pas fan, encore une fois. Mais ça, c'est une question de goût. Toi, t'aimes bien, je suppose. Ouais. Bien joué. Bon. Allez. C'est normal, hein, c'est à chaque fois qu'on veut la déplacer. Elle est énervant. Alors, fraise ou blueberry d'abord? Moi je dis on va prendre la banane. Hein? Banane. Oui, mais si c'est à la banane, c'est pour moi. Toi, t'auras les mangos. Ah, t'aimes pas. Assistant. Attends, mais moi j'irai pas. Et puis, et maintenant elle mange son œuf dans mon dos quoi. Ça sent la banane, hein. Ah là. J'aurais même pas les choper. Banane. Oh, il est jaune. Enfin, en même temps, il n'allait pas être bleu. Hein. Oh oui. J'aurais même pas choper. Oh la vache. Oh, ça sent fort. Bah, sort dans le paquet. Et bah, déjà rien que la baguette, hein. Faut aimer la banane. Hein. Ouais, j'aime bien la banane, mais là, je suis pas fan. Hein. C'est de la banane chimique, quoi. Vous avez pas l'impression de manger une banane? Ça a plus le goût des bonbons. Banane. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Goût chimique de banane, quoi. Hein? Voyons. Ouais. Bah, tu prendrais les mangues. J'aime pas les mangues. Non, tu auras les bananes. De toute façon, tu en auras certainement plus que moi. Ah, il veut goûter les matcha. Enfin, les latte matcha. Là, j'espère que la fraise, c'est pas aussi chimique. T'as ah. Mangé le cucu. Mais putain. Crotte de bite. Joli vert.
à faire pistache. Ça sent bon. Ah, ça sent le matcha, mais... Bah, je sais pas, moi, je sais pas c'est quoi, ça, quoi le goût du matcha. J'ai jamais goût du matcha. Bof. Oh. Oh, c'est dégueu. Oh, j'aime pas que t'es matcha. Faudrait les laisser à chat, ça. Oh. Ah, tu les manges quand même. Ouais, ça va, moi je vous conviens. Ah. Le matcha, elle aime pas. Alors, oh, ça, oh, ça a un drôle de goût dans la bouche. Oh, oh, c'est pas bon. Passe à la mangue, tant que j'ai mauvais goût dans la bouche, autant y rester. Non, tiens. Non, passe à la mangue. Pas la mangue en dernier, hein, je reste pas avec un bout de mangue. Hein. Non, on va voir la fraise. Là, il a pris les blueberries, les quoi? Les blueberries yogourt. Ah oui, yogourt. Pour l'instant, lui, il en a 4 des paquets, moi j'en ai 2. Hein. J'ai que ceux au chocolat. Non, les matcha, je vais les laisser à fond. Elle, je sais qu'elle met. Par contre, ça sent bon. Par contre, faut laisser goûter papa quand même. Ah oui. Oh, ça sent ouais, vraiment les yaourts. Ouais, non, t'aimeras pas. On va dire que t'aimes bien. Ouais. Très bon celui-là, par contre. Ouais, ils sont bons. Ouais, ils sont bons, mais je suis pas fan, quoi. Alors après, je suis pas fan du blueberry. Moi j'adore ça. Mais ils sont super bons. On sent bien le côté yaourt. Ça fait moins chimique que... Un peu acide. C'est elle, hein. Pas moi. Il est moins chimique que la banane, je trouve. T'as fini? Bon, il nous reste la mangue et la fraise. Vas-y, la mangue. Sinon elle va se prendre. Bah là tu me fais juste croquer un bout du tien parce que je sais que moi va. Ouh à l'odeur. Ouh. Ouh, ouais non, même moi je suis pas sûr. Sens juste. Ça sent pas la mangue. Ah, ça sent la mangue. Oh. Tiens, un croque. Oh. Ouais, non. Moi, je le finis même pas. Oh. Ça a le bas goût de mangue, non. Ça a un goût de shampoing, la mangue. Dégueulasse. J'aime déjà pas la mangue, mais alors là, ça ressemble pas de la mangue. Alors moi qui aime bien la mangue, là... Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Même moi, je te pique un coup de café. Oh. Bon. Oh, j'en ai les larmes qui coulaient. Oh. Ah non, il est horrible. Une infection, c'est dégueulasse. Ça sent vraiment... Enfin, on a l'impression... Quand vous vous lavez les cheveux avec un shampoing, des fois vous en avalez ou votre gel douche, tiens, mange, toi tu aimeras bien, tu bouffes tout, toi. Dégustation avec elle aussi. Eh ben ça a le même goût que quand vous mangez votre shampoing. Elle a même pas mangé. Même elle trouve que c'est dégueu. Oui, elle va manger, elle bouffe tout, elle. Allez, ouvre celui. Oh, j'ai une bouffée de chaleur maintenant tellement c'était pas bon. Le dernier, à la fraise. Donc comme quoi, rien ne vaut les classiques. Hein. Moi, j'ai gardé que les amandes et les chocolats. Hein. Bizarre, il n'y avait pas de noisette. Ouh, ça sent bien la fraise. Il est beau. Ah oui. Je te le laisse parce que ça, c'est sûr que je n'aurai pas. Ça sent plus la confiture à la fraise, celui-là. C'est pas du chimique? Je sens presque pas la fraise. La fraise, c'est délicat. Et après le goût de la mangue de merde là. Je sens presque pas la fraise en soi.
Ouais, c'est vrai qu'on la sent léger, hein. Mais ça a le goût de la confiture de fraises comme il y a dans les petits bateaux, là, vous savez, les tartelettes, hein. Mais très léger. On pourrait rajouter un peu plus le goût de fraises et ça serait meilleur. Il trempait dans la confiture de fraises. De fraises en prime. Et du coup, ça c'est clair, c'est les pires. Ça, il est matcha pour moi, c'était les pires. Mais même les matcha étaient meilleurs. Putain. Mais après, la mangue, j'aime déjà pas. Alors, si lui il dit que c'est pas bon, c'est qu'ils sont vraiment dégueux. Elle est meilleure. Pour moi, les meilleurs de mon côté, c'est ce. À la blueberry. Eh. Mais c'est moi qui fais le focus. Attends, on se cache. Voilà. Blueberry et yogourt. Ah ouais. Ouais. Je croyais que ça serait les Oreos. Eh ben moi les meilleurs c'est les classiques, c'est au chocolat. Non mais c'est du chocolat noir aussi. Bah ouais mais voilà, il vaut mieux rester dans le classique. Bon moi j'en ai gardé que 3 pour moi hein, sur les combien de 4 boîtes là. Toi t'en as combien? 6 sur les 9. Non parce qu'en soi moi il y en a 2 déjà et que bon. Ouais, lui il mange pas, il veut pas garder le matcha et le. Et la mangue. On verra si Chérie les aime bien. Je vous mettrai une petite annotation. On fera goûter un chat à Chérie et au fur et à mesure que nous on goûte, au montage, je vous mettrai une petite annotation de ce que Chérie en pense. Juste un pouce vers le haut s'il a bien aimé ou un vers le bas s'il a pas aimé. Ou un bonhomme qui vomit si, comme nous, la mangue était dégueulasse. Parce que lui, il aime bien aussi hein, la mangue, je crois. Oui. Ah bah oui, j'ai pris une boisson, la mangue. Ah bah tu peux aller chercher ma boisson litchi, on peut goûter, tiens. Je n'aime pas le litchi. Tu as goûté ça à la mangue de papa? Ouais, je vais goûter la mangue de papa. Bah ouais, on va se faire une petite dégustation boisson au passage. J'ai trouvé ça dans le même rayon. Les la bouteille en plastique ou... Non, en verre, là, les deux en verre. Bon, je goûte pas la mangue, hein. J'ai déjà fait l'effort de goûter les petites baguettes, là, les pokis. Phil, elle l'a mangé, celui à la mangue, hein. Au pire... Riley aime bien, mais bon ça fait un peu cher, comme friandise pour le chien. Donc on a trouvé ça aussi, et en fait on l'a... j'ai juste demandé à Chérie de m'acheter deux bouteilles, parce que pour la bouteille, pour récupérer la bouteille après. Donc c'est PSP, boisson aux graines de basilic, donc lui il a pris arôme mangue. Mais ça veut pas faire focus. Et moi j'ai pris arôme litchi. Ah non, ça veut toujours pas. Attends, attends, laisse la bouteille, laisse la bouteille. On va voir, je crois que c'est bon là. Je crois pas, ouais. Donc regardez, dedans il y a des petits grains de basilic. Et moi je voulais juste récupérer la bouteille pour faire des potions. Hein, voilà. Donc on va goûter ça. Ah, il faut que tu m'ouvres. Bah, même moi j'arrive pas, j'ai les mains grasses. Bon bah on se revoit dans 5 minutes. Ah. Non, ça va. Là c'est un vrai goût de mangue toujours. Ah. Ah, la mangue, c'est une horreur. J'avais fait rire une fois Manon avec ça parce que je voulais absolument la poudre, je crois, à la mangue. Ou je sais plus ce que. Elle m'avait offert un truc à la mangue parce que j'avais dit que je voulais. Et puis après, je lui ai dit, mais j'aime pas la mangue. Elle me dit, mais c'est toi qui le voulais. Ah. J'arrive pas à l'ouvrir. Et je me souvenais pas que je lui avais demandé. Ou alors, je me souvenais pas que je n'aimais pas la mangue. Je ne sais pas, mais il y a eu un bug quelque part. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Depuis, elle retient. Abîme pas le bouchon parce que j'en ai besoin. Hein. Ouais, bon. Essaye avec le caleçon directement, ça ira plus vite. Je vais essayer avec mon fessier. J'arrive pas, j'ai ma grâce. C'est pas les mains grasses, c'est parce que les bouteilles sont humides. Bouge toi. Oh, sans le litchi. Non mais c'est pas ton nom délire. Oui, lui il aime pas le litchi. Hein. C'est super bon. T'as un peu comme les... je sais plus c'est quoi le nom. Que Chai parlait la dernière fois. Ah, je sais pas, je savais pas c'était quoi. C'est super bon. Les boissons avec les morceaux dedans qu'on dirait de la gélatine. Bah c'est totalement ça. Et là j'ai tombé sur un petit bout de litchi. Et dedans c'est des graines de basilic. Voilà. Mais écoutez, c'était bien bon.
Donc c'est PSP, je connais pas du tout. Hein. Moi, je vous dis, j'ai juste craqué sur la bouteille. Quand j'ai vu la bouteille dans le rayon. Ce que je dis, c'est une belle forme pour faire des petites potions. Voilà, puisque c'est mon nouveau délire. Hein. Et donc voilà ce qui conclut cette dégustation. Avec une oreille surexcitée. Comme d'hab. Ah oui. Non, il n'y a rien pour toi. Dis au revoir à la caméra. Dis au revoir les gens. Salut les gens. elles sont bonnes, maman, regarde. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On a vu, c'est chez Auchan, ils ont fait un nouveau rayon et il y avait des bonbons. Putain, me lèche. Je ne sais plus quelle marque d'un pays étranger aussi, comme ça. Et je me suis dit, la prochaine fois, on fera certainement avec ça. Donc voilà, j'attends de trouver, comme là, ben, il y avait 12, c'est combien, 9. Il y avait 9 sortes différentes, donc je me suis dit, pour faire une dégustation sur le même thème, c'est sympa. Après, je peux pas juste acheter 2 produits et faire une dégustation avec 2 produits, sinon... Ça va, t'es bien vautré, là Ouais. Tu digères tes petites baguettes à la mangue, là. Ouais, je suis surtout en train d'essayer de pas vomir. Mets-toi droit. Pour dire au revoir aux gens. Et par ici. Ah maintenant t'as les longs cheveux. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Comme ça vous aurez encore vu un petit peu Georges. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'activer la cloche. D'activer la cloche. Et ben voilà, nous on vous dit bisous bisous. Peace.